spaces. What are we living for? Abandoned places. I guess we know the score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero. Another mindless crime. Behind the curtain. In the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? Bonsoir Marie. Bonsoir Julie. Tu es tout en beauté ce soir. Merci, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'efforts pour mon look. Hey, pour vrai Marie, ça marche pas pantoute là. Mettons qu'on reste à 2 mètres une de l'autre, là, on doit pouvoir enlever tout ça. Ben, je pense qu'on pourrait, oui effectivement. En plus que ça fait à peu près un an qu'on s'est pas vu face à face. Ah oh, oui, on enlève tout. Ok, tant pis. Ah! On se sent mieux! Ça fait du bien. Bonsoir! Koué! Bienvenue au Gala des prix reconnaissance de l'année scolaire 2020-2021 de l'Institut d'enseignement de Sept-Îles. Voici venu le temps de récompenser et de féliciter les jeunes qui ont su, tout au long de l'année, se démarquer de différentes façons. C'est grâce à eux si cette année scolaire a été une réussite. Mais, avant de commencer, on devrait laisser la parole à M. Mathieu Brien, notre directeur, parce que c'est un petit peu aussi grâce à lui et à toute son équipe si on est passé à travers cette année-là. Bonsoir. Bienvenue à ce premier gala virtuel des prix reconnaissance de l'ISI. Cette année, plusieurs élèves ont su se démarquer par leur éthique de travail, leur implication, leur persévérance. Nous avons la chance ce soir d'en souligner plusieurs d'entre eux. Un merci tout particulier aux parents pour votre soutien, pour votre compréhension, pour votre implication. Le succès de votre enfant cette année a beaucoup dépendu de vous. En terminant, merci beaucoup à l'ensemble de l'équipe école. Cette année a été marquée par plusieurs défis inattendus. Tous et chacun ont su se retrousser les manches et offrir une année toute particulièrement intéressante à nos élèves. Sur ce, je vous souhaite un bon gala. Amusez-vous bien. Des élèves ayant performé au-delà des attentes dans les disciplines académiques. Le choix de ces lauréats s'est fait à partir des résultats académiques cumulatifs au 31 mai 2021. L'IESI et sa fondation sont heureux de remettre une bourse de 50 $ à chacun des gagnants dans les catégories suivantes. La première discipline académique pour laquelle les élèves sont récompensés est le français. Notre langue est au cœur de tous les apprentissages de nos élèves, car elle est sollicitée en permanence. Voici donc les gagnants en français pour chacun des niveaux. Première secondaire, Evelyne Chaig Tremblay. Deuxième secondaire, Camille Hubert. Troisième secondaire, Marie-Ange Vibert. Quatrième secondaire, Camille Lavoie-Saint-Gelais et cinquième secondaire, Aurélie Bellefleur. Félicitations! Poursuivons avec les mathématiques. Cette gymnastique de l'esprit constitue un défi de tous les jours pour nos élèves, qu'ils soient de futurs scientifiques ou qu'ils s'engagent sur la route des sciences humaines. Les meilleurs élèves en mathématiques sont en première secondaire, Caliane Joseph, en deuxième secondaire, Gabrielle Fontaine, en troisième secondaire, Laurence Tchirniche, en quatrième secondaire, maths SN, Camille Lavoie-Saint-Gelais, en maths CST, Dany Saint-Onge, en cinquième secondaire, en maths SN, Aurélie Bellefleur, et en maths CST, Gabrielle Riverain. Bravo à tous. Dehors, 3 jours. Retenue ce soir, 3h30. Retenue ce soir, à toi. Je vais t'apporter du sucre à la crème.
plein de pâtes d'ici, plein de profs d'ici. Pour le marché du travail, pour la poursuite des études ou pour voyager, la maîtrise de l'anglais est un atout, voire une nécessité. Nous aimerions ce soir souligner la performance de certains élèves en anglais régulier. En première secondaire, Louane Aubin. En deuxième secondaire, Alicia Bellefleur. En troisième secondaire, Kenikwen Ben Mackenzie Michel. En quatrième secondaire, Anne-Lie Leblanc. En cinquième secondaire, Philippe Thomas. Bon travail! Le but du programme d'anglais enrichi est de former des élèves presque bilingues à la fin de leur cinquième secondaire. Pour eux, plusieurs activités sont ajoutées au programme régulier et l'élaboration de différents projets leur est proposée. Voici nos élèves qui ont le mieux réussi en anglais enrichi cette année. En première secondaire, Juliane Tremblay. En deuxième secondaire, Rosange Fortin. En troisième secondaire, Marie-Ange Vibert. En quatrième secondaire, Ariel Leblanc. Et en cinquième secondaire, Aurélie Bellefleur. Félicitations! Histoire, géographie, monde contemporain, éducation financière. Nous vous présentons aujourd'hui des élèves qui ont su maîtriser tout au long de l'année les rouages associés aux sciences humaines. Les voici. En première secondaire, Evelyne Chai Tremblay. En deuxième secondaire, Gabrielle Fontaine. En troisième secondaire, Marie-Ange Vibert. En quatrième secondaire, Camille Lavoie-Saint-Gelais. Et en cinquième secondaire, Aurélie Bellefleur. Bravo à vous! OK, guys! 20 tours! 50 push-ups! 50 set-ups! 50 burpees! On se bouge! Bon vent de l'air! OK! On va aller s'échauffer dehors. On va courir pendant 15 minutes. Après ça, on va jouer une petite demi-heure au badminton. Si tout va bien, je vais vous laisser faire des TikTok pour le reste de la période. OK, tout le monde! Jeu libre! Plein de pâtes d'ici, plein de profs d'ici. Les sciences et la technologie jouent un rôle sans cesse grandissant dans nos vies et elles contribuent d'une façon déterminante à la transformation des sociétés. Nous voulons donc reconnaître quelques élèves qui correspondent au profil scientifique. Les élèves s'étant illustrés en sciences en 2021 sont... En première secondaire, Mathilde Noël et Arielle Fontaine-Saint-Onge. En deuxième secondaire, Gabrielle Fontaine. En troisième secondaire, Marie-Ange Vibert. En quatrième secondaire, Camille Lavoie-Saint-Gelais. Et en cinquième secondaire, Aurélie Bellefleur. Bravo aux gagnants! Nous allons maintenant remettre des prix aux élèves méritants des cours du volet régulier d'art dramatique, d'éducation physique et d'art plastique, parce que l'ouverture et la polyvalence sont des atouts précieux. Les élèves ayant démontré des aptitudes remarquables sont, en première secondaire, Jeannélie Tremblay en art dramatique. En éducation physique, Mathieu Thibault. Et en art plastique, Kaliane Joseph. En deuxième secondaire en art plastique, Alicia Bellefleur. Et en éducation physique, Kinnick Poulin-Gassien. En troisième secondaire en art plastique, Mathilde Lavoie-Saint-Gelais. En éducation physique, Anthony Landry. En art dramatique, Mégane Perron. En quatrième secondaire, en art plastique, Camille Lavoie-Saint-Gelais. En éducation physique, Kiana Poulin-Gassien. Et en cinquième secondaire, en art plastique, Simon Dufour. En éducation physique, Hakim Rouleau-Sénéchal. Félicitations à tous les élèves méritants. C'est correct, mais
tu pourrais mettre plus de détails. Ah oui, c'est bien, mais tu pourrais travailler un petit peu plus le dégradé. Oh! C'est formidable! Bel effort! Bravo! Plein de parts d'ici, plein de profs d'ici. Les cours d'options sont au cœur du quotidien de nos élèves. L'Institut d'enseignement de Sept-Îles est heureux de remettre une bourse de 50 $ aux élèves méritant dans leurs options. Le trophée Mur de briques des options artistiques est une mention décernée à un élève pilier. Un élève qui aura su tout au long de l'année se démarquer par son talent, son attitude, sa contribution positive dans son option. C'est vraiment un élève qui aura su laisser sa marque. Voici donc les élèves de qui on voulait souligner le parcours exceptionnel. En art plastique, Aurélie Bellefleur. Dans l'option art dramatique, Louane Aubin. Et en multimédia, Hakim Rouleau-Sénéchal. La botte de travail est un trophée décerné aux élèves des options sportives qui se sont démarqués par leurs efforts, leur constance, leur attitude et leur performance. Voici les athlètes que nous voulions féliciter. En volleyball, Simon Dufour. En badminton, Marie-Ange Vibert. En hockey, Mathis Néron. Bravo les sportifs! Le but premier de l'Institut d'enseignement de Sept-Îles est d'accompagner l'élève afin qu'il développe son autonomie, son ouverture, sa débrouillardise et sans contredit qu'il réussisse son parcours scolaire. Nous tenons à féliciter tous les élèves qui ont travaillé fort et qui ont su maintenir les meilleurs résultats durant l'année. Le Club Rotary de Sept-Îles est heureux de remettre une bourse de 100 $ à l'élève détenant la meilleure moyenne générale dans chacune des années du secondaire. Les élèves ayant eu la meilleure moyenne générale sont en première secondaire, Evelyne Chay Tremblay. En deuxième secondaire, Rosange Fontaine-Fortin. En troisième secondaire, Marie-Ange Vibert. En quatrième secondaire, Camille Lavoie-Saint-Gelais. Et en cinquième secondaire, Aurélie Bellefleur. Vous pouvez être très fiers de vous. Là, j'en reviens. Oui, monsieur? Oui, madame? Oui, madame. L'élève qui, par une attitude responsable et autonome au quotidien, nous font la preuve qu'il est possible de fonctionner dans le respect des autres et des règles. À partir de la rentrée scolaire 2020 jusqu'à maintenant, 59 élèves n'ont reçu aucune mention négative à leur dossier, que ce soit pour le comportement ou pour leurs travaux. Ils méritent qu'on les félicite, alors les voici. Félicitations à ces 59 élèves, bravo! Et parmi tous ces élèves méritants, un tirage a été effectué afin de décerner une bourse de 25 $ à un élève par groupe. Dans le groupe 101,
Juliane Tremblay. Dans le groupe 102, Evelyne Chaille Tremblay. Dans le groupe 201, Rosange Fontaine-Fortin. Dans le groupe 202, Keenan Caltouche. Dans le groupe 301, Megan Perron. Dans le groupe 302, Nathan Boudreau. Dans le groupe 401, Leïla Fontaine-Jourdain. Dans le groupe 402, Jean-Daniel Ngatchak-Wipou. Dans le groupe 501, Philippe Thomas. Et dans le groupe 502, Hakim Rouleau-Sénéchal. Le Carrefour Jeunesse Emploi tient à souligner la persévérance scolaire en offrant une bourse de 25 $ à un élève en première secondaire, en deuxième secondaire, en troisième et en quatrième secondaire, ainsi qu'un montant de 50 $ à un élève de cinquième secondaire. Le prix Assiduité et persévérance scolaire est décerné à, dans le groupe 101, Mathilde Noël. Dans le groupe 102, Daphné Fontaine-Bellefleur. Dans le groupe 201, Jaël Lévesque. Dans le groupe 202, Kinnick Poulain-Gatien. Dans le groupe 301, Léane Perron. Dans le groupe 302, Nathan Boudreau. Dans le groupe 401, Naomi Lévesque. Dans le groupe 402, Ariel Leblanc. Dans le groupe 501, Vincent Thibault. Et dans le groupe 502, Audrey-Ève Lebel. Bravo pour vos efforts. Une bourse de 250 $ de l'aluminerie Alouette sera offerte à une élève pour le prix Accroche-Cœur. C'est une élève qui a su démontrer une immense persévérance face aux embûches et aux épreuves qui ont parsemé son parcours scolaire. Persévérance et se prendre en main, c'est clairement les premiers mots qui me viennent en tête lorsque je pense au parcours scolaire d'Elisa Kate. Arrivée en secondaire 1, cette jeune fille a connu plusieurs hauts et bas durant ses années à l'IESI. Souvent marquée par les blessures, elle a dû quitter le soccer pour se tourner vers le volleyball. Dès son arrivée, elle s'est démarquée par sa bonne humeur et sa joie de vivre. C'est toutefois sur les bancs d'école que cet élève a attiré notre attention. Malgré les efforts et le travail, les résultats n'étaient pas toujours au rendez-vous. Année après année, Elisa Kate a réussi à vaincre l'adversité et à grimper les échelons pour arriver jusqu'en quatrième secondaire. L'arrivée de la pandémie a frappé dur pour beaucoup de gens. Ce coup dur s'est avéré être une opportunité incroyable pour elle. Au courant de l'été 2020, Elisa Kate a réalisé son réel potentiel. Au cours d'été de mathématiques, elle a su convaincre son enseignante qu'elle avait le potentiel de réussir, spécialement là où elle avait connu ses plus grands échecs. Elisa Kate a entrepris son cinquième secondaire la tête haute. Elle est sur le point de terminer son secondaire avec beaucoup de succès. Le cégep de cette île a beaucoup de chance d'accueillir l'an prochain cette jeune dame, pleine d'entrain et de joie de vivre. En sortant de ta coquille cette année, tu as démontré à tous ta belle personnalité et ton potentiel. L'IESI est très fier de te remettre la bourse Accroche-Cœur à Elisa Kate Vieux pour souligner son parcours scolaire et sa persévérance. Félicitations. Un beau bravo à toi, Elisa Kate. La Fondation du Cégep de Sept-Îles offre une bourse de 300 $ à un élève de l'IESI nouvellement inscrit dans son établissement. Cet élève se démarque par ses performances scolaires et est reconnu par la direction de l'Institut d'enseignement de Sept-Îles pour son autonomie et sa débrouillardise. Nul doute qu'il ou elle
saura se démarquer l'an prochain. Le récipiendaire de la bourse de la Fondation du Cégep de Sept-Îles est Simon Dufour. Bravo, Simon. Chaque année, l'Université du Québec à Chicoutimi remet une bourse de 1 000 à l'élève de 5e secondaire qui détient la meilleure moyenne générale. Cette bourse de l'excellence académique est remise à Aurélie Bellefleur. Bravo, Aurélie! Nathalie, fin de la conférence de presse, changement de couleur, changement de zone. On se reclaque les horaires, on travaille à soir pour en fin de semaine. Ouf, ça a quand même été toute une année qu'on a eue cette année, hein, Marie? Quand même. Mais pas malgré facile. Tout, on peut dire qu'elle s'est déroulée quand même assez bien. Ça s'est bien passé. Malgré tout. Et puis, moi, ce que je retiens, c'est surtout que ça a filé comme ça en un éclair. Mais là, maintenant que nos élèves sont récompensés, que l'année tire à sa fin, moi, je pensais juste que j'allais faire une longue sieste. Je pense que ça va être mérité puis que tu seras probablement pas la seule à faire une très longue sieste, au moins jusqu'à la mi-août, peut-être. Au moins. À peu près. En tout cas, ce soir, on vous avait préparé un petit gala différent de l'habitude, mais ça nous a permis de souligner les efforts de plus de 50 élèves quand même. En plus, c'est 5 150 $ qui ont été remis ce soir sous forme de bourse. Puis félicitations à tous les élèves qui ont été nommés ce soir. Chapeau! Ça n'a pas été facile, effectivement. Vous aussi, vous ferez une très longue sieste. Et félicitations aussi à tous les élèves de l'IESI. Félicitations au personnel enseignant, au personnel scolaire, aux parents aussi qui ont su naviguer tout au long de cette année tumultueuse. Alors, je pense que vous aussi, vous allez bien pouvoir profiter d'un bon repos cet été. Pour notre part, nous vous souhaitons une belle fin de soirée. Célébrer un petit peu, mais pas trop, il y a de l'école demain. Et nous vous laissons encore sur quelques mots de notre directeur, M. Brien. Et bonne soirée, merci beaucoup. C'est déjà la fin de notre gala virtuel. Je tiens à remercier et à féliciter tout particulièrement chacun des élèves de l'IESI. Vous avez passé au travers d'une année difficile, avec plusieurs défis. Félicitations, vous avez réussi. Je tiens à remercier aussi l'implication de chacun de nos partenaires. Sans vous, la soirée n'aurait pas été la même. Un grand merci au Club Rotary de Sept-Îles, à la Luminerie Alouette, au Cégep de Sept-Îles, à l'Université du Québec à Chicoutimi, au Carrefour Jeunesse-Emploi, à la Fondation IESI, à Optique 360, et un merci tout particulier à M. Patrick Delobel et l'équipe de Nous TV pour votre soutien dans la réalisation de cet événement. En terminant, un merci très très spécial à vos deux animatrices, Mme Marie, Mme Julie. Elles ont su relever un défi que je leur ai lancé il y a quelques semaines, de préparer un gala virtuel. Donc, félicitations, vous avez su relever ce défi-là. Merci beaucoup pour votre implication, c'est grandement apprécié. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et dans la pure tradition de l'IESI,
Je vous demanderai un petit coup de main pour ramasser les chaises en quittant. Merci beaucoup. Salut, bon été. Vous êtes beau, vous êtes bon, vous êtes capable. Bravissimo. Passez un bel été. Amusez-vous. Je vous souhaite un bel été pour vous reposer. Je te souhaite de finir l'année en beauté. Il ne reste que quelques jours. Bon. Bon été tout le monde. Bon, ben c'est enfin fini. Fait que enjoy le reste, puis profitez-en pour votre été. Puis bonne continuation de tout. Bon, ben l'année scolaire est terminée, fait que allez-vous-en, je veux vous voir. Allô, allô, je vais te féliciter, puis te souhaiter un bel été. Bonnes vacances. Ciao, ciao. Profitez bien de vos vacances. Hey, yo, les jeunes, là, faites pas des fous cet été, là. Félicitations à tout le monde, puis je vous souhaite un super été. Profitez du soleil. Je vous souhaite un bel été. Bonne fin d'année. Bonne chance dans tous vos projets et dans vos études. Bon été, tout le monde. À l'année prochaine. Salut, les élèves de l'IEFI. J'espère que malgré tout, vous avez passé une belle année. Au revoir l'année prochaine. Bon été. Prenez soin de vous. Have a good summer. Next time, we won't see this, but we'll see this. Cette émission d'accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.